Bon, maintenant qu'on a de quoi défoncer leur grosse artillerie, on devrait être un peu mieux loti. Un peu mieux seulement. Attends, t'es mort. C'est bon. Oh, je les ai eus. Allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ils sont là. Ils seront. Tiens, voilà, toi t'es mort. Bonjour, toi tu joues à Team Fortress 2, je ne connais même pas ton pseudo, je ne sais même pas qui tu es. C'est impressionnant le nombre de personnes qui jouent sur Steam, dont je ne connais même pas l'origine, ni la présence. Faudrait vraiment que je fasse le tri dans ma liste d'amis Steam. Hein. Les mecs que je connais pas du tout, qui me disent bonjour, là, ils jouent à Team Fortress 2, un jeu que j'ai jamais joué de ma vie. Je comprends rien. Les mecs, c'est des fous. Car pour rentrer par là, visiblement. Est-ce qu'on va être retour en intérieur? Ça pourrait être sympathique. Ah. Oh. Écoutez, vous savez quoi? Je suis pas débile. Je sais que s'il y a des tonneaux explosifs ici, c'est qu'ils vont nous servir à quelque chose. Vas-y. Ouvre la porte. Chargement. Ah, peut-être la fin du chapitre, qui sait? Espérons, parce que j'ai pas envie de retomber en rade de mémoire comme la dernière fois. N'est-ce pas? Faisons très attention. Des Vortigones. J'ai vu un truc passer. Oula! Gundalum. Gundalum. Il y en a un autre. Allez, allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court. On sait pas avoir, on regarde sur les côtés. J'ai raté. Gundalum. Dommage qu'on puisse pas récupérer les carreaux. Excusez-moi. Dommage qu'on puisse pas récupérer les carreaux sur les ennemis. Ce serait... Oula. Faisons attention. Je peux visiblement aller par ici. Je vais en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile par ici? Il n'y a visiblement rien d'utile. Peut-être en... Hop. Non, il n'y a visiblement rien d'utile. Partons, 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 partons. Ils ne sont pas bloqués ici, ça ne servirait à rien. Un truc qui a explosé ici, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des mines là. Hop. Je me suis entraîné sur CS16 depuis. Merde. Voilà. Je pense que j'ai réglé les soucis avec lui. Donc on a des nouvelles ennemis. J'ai failli faire péter la bombe. Nouvel ennemi, donc des snipers. Faudra faire très gaffe à eux parce que eux font mal. Bon. Putain, mec, t'avais de quoi te défendre. Pourquoi t'es sorti? Sans armes en plus. La logique des scientifiques m'échappera toujours. Passer sur le côté. Éviter de déranger qui que ce soit. Voilà. Ça se faisait 2-3 000. Fais gaffe. Et ici. On va péter. Ça va, les mines font pas monstre de dégâts. La preuve, c'est que j'ai beau les faire péter assez proche, je survis. Ok, je suis passé.
pas où il est. Il est où? D'accord, il est là-bas. Voilà. Désolé, mais je prends plus de risques. Hein. C'est, je sais, parce que en fait, on les voit pas. On sait pas où faut tirer, donc du coup, faut tirer dès qu'on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant on peut monter là, c'est plus conducteur d'électricité. Et on peut donc descendre ici. Tac. Oh, bonjour. Oui. Oui, je vais aller au Lambda complexe. Ok. Ok, donc il a perdu. Il a perdu les pédales et il suffit que je regarde derrière cette porte pour savoir pourquoi il a perdu les pédales. Pourquoi il a perdu les pédales? Ah, pour ça. Je crois qu'il ne fallait pas tout faire exploser. Je crois que faire tout exploser était une mauvaise idée. Mais après, c'est ce que j'en déduis. Hein, Après, moi, ce que j'en dis... Ok, ce n'était pas ça. Ce n'était pas correct. Ce n'est pas le truc qu'il fallait faire. Je me suis planté. Ok. On l'élimine, on l'élimine. On reprend. Oh non. Je fais très attention à pas tirer sur un explosif du coup. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire attaquer par un Gendalum. Oh putain. Ah ! Les merdes ! Il était même pas à côté d'une bombe. Comment ça se fait qu'il a explosé? Alors, toi tu meurs. Le pauvre va revivre sa mort encore et encore. Hop! On se garde. Hop. Hop. Tac. Tac, tac. C'est bon, on sauvegarde. Je sais pas comment j'ai fait pour faire ce dernier saut. Seigneur Dieu. Oh, si c'est ça. Ah! Titan est mort ici. Et je sais très bien ce que c'est ce truc. C'est très intéressant pour la suite de l'aventure. Merde. On y est presque, je sais comment ça va se passer, je sais comment on va réussir la chose, ça va être intéressant, vous allez voir. Là ça va être plus du jump quoi. C'est quand ça c'est complexe en soi, tu vois. Ok, on passe par en dessous, on regarde sur les côtés, il n'y a rien. Visiblement, on va être bloqué, à moins qu'on puisse grimper. Puisqu'on peut pas grimper. Ah, ça va être galère, on peut pas passer par là, donc il faut qu'on revienne en arrière en vitesse. Voilà. On va revenir en arrière. Je vais sauvegarder la partie. Passe par en dessous.
Ok. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis passé. Ok, je sais pas comment je fais ça, mais j'arrive à passer. Ok, okay. C'est pas trop mal. C'est quoi ça? C'est un missile. Alors c'est genre le truc que si on t'a reçu, ça fait boum. Je viens de faire le con, parce que imaginez que ça ait pété le truc. Je vais dans le bazar. Un peu d'armure, toujours, c'est toujours du bien un peu d'armure. On me dirait l'armure ne sert un peu à rien dans cette situation. Tac, là. Hop. Ok, je fais monter ça. Merde! D'accord, il fallait pas faire monter ça. Eh merde! Très complexe tout ça. Puis j'avais réussi. Et merde! Ah. Et là, passer le jeu en facile ne changera rien. Pourquoi j'ai reculé? Je me plante toujours sur celui-là. Alors que c'est sur celui d'avant que je devrais me planter, en fait. Ah oui, why not, hein, écoutez. Mais, pourquoi? Okay. On sauvegarde la partie. Non, bon, heureusement j'ai sauvegardé. Tout va très bien, j'ai sauvegardé. Donc là-bas, il n'y a rien, on a vu. Hop, on saute par-dessus. On recharge l'énergie. Allez, 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 allez. Du coup, cet épisode n'est pas très passionnant, je bon, vous, j'en suis désolé, mais j'aimerais qu'il le soit un peu plus. Merde! J'aimerais qu'il le soit un peu plus passionnant, mais bon, là, il me faut vraiment beaucoup de concentration. Concentration que je ne peux pas avoir si je pars en même temps, voyez-vous. Du coup, bah, je suis un petit peu obligé de ne pas parler dans un moment. C'est juste devant ce truc, j'ai un peu... tout petit peu eu peur, en train de pouvoir recharger notre lance rocket. Ok. Ça c'est la partie finale de la chose. Et merde, je pensais que j'allais pouvoir passer. En fait non. Si tu rates ton saut, t'es mort. Ok, alors voyez-vous, maintenant, ce que je vais faire, c'est du safe state. Chaque fois que je vais faire un saut, je vais sauvegarder. Tout simplement. Hop, on passe par en dessous. On prend ça. Et on fait la première safe step juste après ce saut. Voilà, safe step. Save step. Voilà, c'est... une autre save step. Une autre save step. On recharge un save step.
Ah là 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 là, ça va être compliqué. On charge un safe step. Ça va être très 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 compliqué, je le sens bien 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 bien. Oh, YOLO! Ok. J'étais presque, j'étais presque. J'y étais presque. Tac, on y est, on sauvegarde. J'ai mal... J'appuie sur le mauvais bouton. J'appuie sur le mauvais bouton. Quoi? Pourquoi? Charger partie. Non, charge cette partie. Charge ça. Et tu veux charger autre chose, toi? Ok. D'accord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il fallait charger. Pourquoi il charge ça, celui? J'ai un truc où je fais boum, il est con. J'étais prêt. D'être concentration de l'œil du tigre. Trop avancé. Ah, faut que je regarde avant. Je regarde avant. J'y suis presque. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vous promets, ça va être long et laborieux, mais je vais y arriver. Du coup, on sauvegarde. On sauvegarde ici. On y est presque, on va recharger la sauvegarde du coup. Ah là là, Comment ça, j'ai tout fait péter, enfin, arrêtez de dire des bêtises. J'ai même pas sauté là, je... On sauvegarde. Ah, c'est le dernier saut là qu'il faut faire. Hein. C'est le dernier saut. On y est presque. On y est! Sauvegarde. Je vous présente, mes amis, un nouvel objet. Une nouvelle arme. Une nouvelle arme. Une arme alien. Qui est très étrange. Allez, prends ton courage à deux mains, ou plutôt à une main. Ah, fist! Je viens de fister un alien. Alors du coup, je vais pas l'utiliser ici, hein, parce que c'est une arme explosive. En fait, voyez-vous, elle tire des petites fléchettes téléguidées. Qui explose. Donc c'est vraiment très... Et elle a munitions limitées. Voyez-vous, elle a 8 fléchettes. Okay, on peut tirer comme ça. Voilà. Et elle se recharge au fur et à mesure. Donc en fait, c'est une arme illimitée. Ou elle peut tirer, voilà. Tout comme ça. Là, on peut tout tirer comme ça, un petit peu, voilà. Et ça va tout faire boum. Maintenant, là, c'est la solution contre les combats de militaires. Croyez-moi. Non. Non. Non, 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 non. Pourquoi? Allez, 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 allez. Pff, Seigneur Dieu, merci. J'ai eu peur. Du coup, vous allez voir que cette arme, c'est vraiment la solution à tous nos problèmes pour tout ce qui concerne les combats militaires. Vous allez voir que c'est vraiment magique. Vraiment une arme magique. Hey. Ok, tu es ready. On a un tir principal, donc le tir principal c'est qui est téléguidé, hein, vous voyez. Et après c'est le tir secondaire.
qui lui balance beaucoup plus vite les petites fléchettes, mais en ligne droite et pas téléguidé. J'ai une préférence pour le tir principal personnellement, comme ça on n'a pas besoin de viser. Oui, c'est un peu noob, mais croyez-moi, cette arme-là, surtout en normal, on n'aura même plus besoin de passer en facile en combat contre les militaires. Donc ça, c'est vraiment très pratique, vous allez le voir. Vous allez le voir très rapidement. Ok, ils sont en train de chercher une arme. Lui et son ami étaient en train de chercher une arme ici, mais ils sont fait prisonniers. Pas prisonniers, mais... Ok, alors.